tout ce que vous avez jamais osé demander à l'imam du coin. Mais quelles sont les origines de la burqa? Il serait bon de rappeler ceci aux porteuses de burqa actuelles, peut-être qu'elles se vêtiraient autrement. La burqa vient du culte d'Astarté dans la Mésopotamie antique. Pour honorer la déesse de l'amour physique, toutes les femmes sans exception devaient se prostituer une fois l'an dans les bois sacrés qui entouraient les temples de la déesse. Pour ne pas être reconnues, les femmes de la haute société prirent l'habitude de se voiler totalement. Et n'oubliez pas ceci, Mustafa Kemal, alias Atatürk, premier président de la Turquie, de 1923 à 1938, avait trouvé la bonne astuce pour clouer le bec aux intégristes de l'époque. Il avait mis un terme au port de la burqa, en faisant une loi toute simple, avec effet immédiat, toutes les femmes turques ont le droit de se vêtir comme elles le désirent. Toutefois, toutes les prostituées doivent porter la burqa. Dès le lendemain, on ne voyait plus de burqa en Turquie. Et c'est toujours en vigueur. Qu'on se le dise, et qu'on se le répète.